Dégagez le passage! Rattrapez-le! Bonjour. Bonjour. Tu dois être un de ces indigènes de la tribu. Comment s'appelle-t-elle? Les Iroquois. Ouais. C'est ta tribu? Mais non, Terry. Les Iroquois sont pas une tribu. Mais si. Mais non. Les Iroquois sont une confédération. Une confédéra quoi? Une confédération, imbécile. Un groupement. Une alliance. Des tas de gens différents qui s'unissent. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Une tribu. Écoute, espèce de cervelle d'oiseau. Il y a une différence entre une tribu et une confédération. Et c'est pas ma faute à moi si t'es pas assez malin pour la comprendre. Qui tu traites de cervelle d'oiseau, espèce de pauvre bossu? Arrière, cette affaire est entre lui et moi. Ouais, ça te concerne pas. On m'a dit que vous m'entraînerez. Non. Fiche le camp. Je ne partirai pas! Il me faut un endroit pour camper.
Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. S'il vous plaît, accordez-moi juste un peu de temps. Pardonne-moi si je n'ai pas été assez clair avec toi. Mes paroles t'ont peut-être perturbé. Mais comme je n'ai jamais eu l'intention de te tromper, je veux être précis. Fiche le camp de mes terres. Je vais grimper! Écoutez-moi, qu'est-ce qui vous fait si peur ? Peur ? Je te signale que je n'ai peur de rien. Encore moins d'un petit morveux suffisant comme toi. Oh, tu rêves de devenir un héros, hein ? De sauver des pauvres âmes, et même le monde entier. Mais si tu continues, la seule chose que tu deviendras, c'est un cadavre. Le monde évolue, petit. Suis son exemple. Je ne partirai pas, vous m'entendez ? Je ne partirai jamais. Attends un peu, vieillard. Ah. Je ne m'avoue pas vaincu si facilement. C'est qu'un vieux fou. Ce sera facile. C'est ce que t'as dit l'autre fois. Mais j'ai perdu mon cheval et gagné un œil au beurre noir. Qui êtes-vous ? Des gens dont les affaires te regardent pas, petit gamin. Tu ferais mieux de filer avant de t'en mordre les doigts. Non. On t'avait prévenu, petit. Pardon. Ce n'est rien. Cet endroit ne demande qu'à s'écrouler. C'est un miracle qu'il tienne encore debout. Mais toi, qui es-tu ? Je m'appelle Radoen Gedon. Je vois.
Eh bien, je ne vais même pas essayer de le prononcer. Maintenant, dis-moi ce que tu fais ici. On m'a dit de chercher ce symbole. Sais-tu au moins ce que ce symbole représente? Sais-tu ce que tu me demandes? Non. Et pourtant, tu es là. L'esprit a dit que... j'avais... Les esprits, ton peuple, harcèlent les assassins depuis des siècles. Depuis qu'Ezio a frotté la lampe. Ah, mais tu ignores tout de ce qu'est un assassin, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de t'asseoir, parce que l'histoire que je m'apprête à te raconter va prendre un bon moment. Et voilà pourquoi les assassins ont pour mission de traquer et de tuer les Templiers. Parce que s'ils parviennent à leur fin, les visions de ton esprit vont se réaliser. Alors je les arrêterai. Je ne doute pas que tu essaieras. Bien, j'ai quelque chose à te montrer. Oh, attention! Je ne plaisantais pas quand je t'ai dit que cet endroit tombait en ruine. Pourquoi vous ne le réparez pas? Oh, à quoi bon? Je ne dispose même pas des matériaux nécessaires. Achetez-les. Non mais tu m'as bien regardé. Tu m'imagines débarquer dans un magasin déballant ma bourse pour faire des achats? Oui. Pourquoi? Tu es si naïf. Par ici. Ne crois pas qu'il te suffit d'entrer ici et de revêtir ces habits pour devenir un assassin. Je n'aurais pas osé. Oh, je comprends. Cette tenue a une certaine allure. Très bien. Je vais te former. Et nous verrons si tu es digne de la porter. Merci. Achille. Bien, suis-moi. Nous avons fort à faire. Grain de poussière, toi et toute ton espèce. Vous vivez comme des bêtes, sans vous soucier de comment tourne le monde. Que veulent les Templiers? Ce qu'ils ont toujours voulu, le pouvoir. Les colonies offrent une vraie opportunité, la possibilité d'un nouveau départ, libéré du poids du passé. C'est pour cela qu'ils soutiennent les Anglais. Ici, ils ont la chance d'illustrer les mérites de leurs croyances. Tout un peuple au service de l'ordre et de la discipline. J'ai vu ce qui allait arriver s'ils y parviennent. Ils doivent mourir, n'est-ce pas? Jusqu'au dernier. Même mon père. Surtout ton père. Il est la clé de voûte de leur organisation. Thank you.
Je me suis entraîné. À courir, à grimper, à combattre, à tomber. Et pour chaque leçon destinée au corps, il y en avait deux consacrées à l'esprit. Langue, philosophie, logique, les arts. Achille m'a tout appris sur les assassins et les templiers, leur organisation, leur origine et leur but. Des siècles d'histoire résumés en quelques jours. Je lui ai parlé des hommes qui avaient brûlé mon village, de Charles Lee et de la promesse que je lui avais faite. Achille m'a expliqué que Lee et ses hommes étaient tous des templiers, et que leur chef n'était autre que mon père. Si je devais servir l'ordre, ces hommes deviendraient mes cibles. Alors j'ai redoublé d'efforts et de hargne. Mais malgré tous mes progrès, j'ai compris qu'il me restait encore beaucoup à apprendre. Ma formation ne faisait que commencer.